Salut YouTube, nous voici sur une nouvelle vidéo de Dodgeball Academia. Donc on est à l'épisode 7, il reste 2 jours avant le combat final. On va du coup faire 7 journées. Je vais essayer de faire la journée en une seule vidéo, mais des fois c'est un peu compliqué, donc c'est parti. Alors, allez Baudruche, t'es debout? Tu es matinal pour une fois. Ouais, on affronte Boris demain, je n'arriverai pas à dormir. Ah non, il reste un jour en fait. J'avoue que ça m'a rendu un peu nerveux aussi, moi aussi. Les autres doivent nous attendre dehors. Allons les retrouver. C'est parti. Voilà, un peu loin. Ce qu'on fait, c'est qu'on va au club clandestin, là. Tiens, salut. Tu veux bien venir avec moi une seconde? Comment ça, ils m'ont mené au sous-sol, là. Merci d'être venu. J'aimerais que tu me rendes un service. J'ai prêté il y a longtemps des BD à des gens qui ne me les ont pas rendus. Tu sembles savoir t'y prendre avec les gens. Alors tu pourrais les récupérer pour moi. Sans quoi ma collection de Dodgeman ne sera plus jamais complète. Récupère les BD. Ok. Les gens à qui j'ai prêté mes BD sont éparpillés dans toute l'école. Je vais t'indiquer grosso modo où ils sont sur ta carte. Grosso modo, hein. On va voir. De toute façon, on va faire tout ce qu'on peut faire. Hein. Ce texto nous a tous secoués hier soir. Ouais, j'étais trop énervé pour dormir. J'ai essayé d'écrire des poèmes pour me concentrer et me calmer l'estomac, quoi. Tes problèmes familiaux m'ont inspiré, Aniki. J'ai donc composé une chanson de générique, une chanson pour sur moi. Et quel rapport avec? Venu de nulle part, c'est Kyabo. Plus vite que le serpent, c'est Kyabo. Mais ne lui demandez pas de réfléchir trop. Je me disais qu'on pourrait aller sur un cours pour se faire une bonne séance d'entraînement. Hein? Et mon générique, il ne vous plaît pas? Allez, allez, on y va, hein? Ouais, merci. La fraternité du carré. Ok. Y a pas beaucoup de duels, là, non? Ok. Ok, ok. Place centrale. Commence ton entraînement sur le cours près de l'infirmerie. On va le faire en dernier. Hein. On va d'abord faire les combats. C'est ça, c'est la quête principale. Moi, je veux faire les quêtes secondaires d'abord. Par exemple, lui. Rien ne peut m'arrêter. Cette fois, c'est dans la poche. Regarde. Alors lui, des fois, c'est vraiment spécial. Hein, les combats, des fois, c'est juste en esquive. Là, par contre... Tu t'es pas un peu abusé là? Ah, je suis peut-être un peu bas. C'est un ouf. C'est un ouf. C'est un pur ouf, les gars. Par contre, là, je risque de perdre. Oh, elle me suit! Mais non, c'est une blague! Déjà, la balle, elle fait les trois quarts de l'écran! Mais ça, c'est à savoir dès le début, ça! Comment tu veux que je devine? Oh là là.
Il a pris 300 points de dégâts, les frérots. Boum. Super, ça me fera 9 points de force, les gars. Alors, Kiabo. Bon, Kiabo, je l'utilise pas. Donc, bon, c'est pas très grave d'avoir des nouvelles compétences. Oh, la prochaine fois, je serai encore plus fort. T'as obtenu jus de betterave. Oh, les jus, en général, c'est bien. Jus de raisin. Mais que demande le peuple? Les PV max. Plus 10. Augmente les PV max. Par contre, il aime pas ça. Ça fait quoi? Plus 5. Par contre, là, plus 15. Ah ouais. D'accord. C'est pas grave. Du coup, il y a un combat là, je vois au bout. Il y a des combats. J'ai le dernier cri en matière de technologie dodgeball. Ces petits monstres peuvent te maudire, ce qui t'empêche de regagner des PV. Pardon? Ta stratégie vient d'en prendre un coup. Trop dur pour toi, hein, en garde. Allez. On prend 2 balles. Quoi? Mais il a même pas... J'ai même pas bougé, il a même pas réussi à me toucher, le gars. C'est abusé, quand même. Easy peasy, bro. Easy peasy. Hop, j'ai toute ma vie. Il y a des montées de niveau, de la thune. C'est parfait, c'est tout ce qu'on veut. Je demande parfois si je ne suis pas un clone. Un clone ou un clown? Kiabo, tu as changé d'équipe. Tu n'as aucun honneur. L'honneur vient avec les actions, hein. C'est pas parce que tu traînes. Aïe. Ramasse. Mince, proto. T'es sérieuse? Mais t'es sérieuse? Viens pas sur mon terrain là. Qu'est-ce que tu fais là? Tiens, prends ça. Ah, trop tôt. Elle lance une balle. Oula. Faut pas que je perde trop de vie, hein, parce que j'ai encore un combat derrière. Ok, ça va. Je vais gagner peut-être 100 PV, un truc comme ça. Ouais, quasiment 100. Je plaisantais. Salut, on fait un match ensemble? C'est parti. Waouh. 5 et encore une balle, non? Quoi? D'accord, elles me suivent. Ok, elles me suivent. J'essaye pourtant. Hein. Ok. Ça va. Un match où j'ai juste bourriné et j'ai gagné quoi. Ok. Encore 4,5$. 4,5€. Merci mon cher monsieur. Donc là, il y a pas de... Ok, pas de combat. On va aller se soigner vite fait et on va au terrain d'entraînement. Parce que je vois pas d'autres combats. Quoique. On va aller au truc clandestin. Tournoi clandestin. Mince.
Oh, il y a des combats, il y en a plein là. On va gagner des sous, les gars. Mince. Oh, trop tôt. Ok, super. Joli. Je sais. Ah, ça c'est la quête, d'accord. Tu ne m'échapperas pas. Oh, c'est eux qui ont la balle, d'accord. Ok, ça s'est plutôt bien passé, même si Mina et Choi, ils ont pris quand même pas mal de dégâts à cause des voitures. Waouh. Beaucoup d'objets. Ok, tu peux continuer. Tu n'as aucune chance contre moi. Tac, tac. Il a même pas réussi à me tirer dessus, quoi. Ah. Prends ça! Kamehameha! Oh. Super. J'avais tort! Prépare-toi pour une défaite humiliante! Ok, je prends ça et ça. Bon, on esquive, hein. Et trop bien ce jeu. J'adore. Les combats de partout. J'ai parlé trop tôt. Bah je vois ça hein. Alors lui ça va être un boss non? Hors de question que je lui rende sa BD. Tu sais combien elle vaut maintenant? Bah non. Mais c'est pas à toi de la vendre. Aïe. C'est lui qui l'a eu pour tirer n'importe comment. Ah oui, mais il a fait en sorte que je prenne la voiture. Oh. Yes. Ultimate. C'est quoi son ultimate? Easy peasy hein. Oh. Prends ça. T'as fait une balle lobée.
Je te mets un direct. Un direct du droit. 4 dollars, hein. Ça donne pas mal de sous. Bien sûr, bien sûr. Je vais rendre la BD. Super. Allez, on enchaîne, on enchaîne. Tu me défies. Ah, c'est eux qui ont les balles. Faut reculer. Une. Deux. On esquive la troisième parce qu'il y a la voiture. On récupère. On tire. Mince, je l'ai pas vu arriver celle-là. Mince, trop tôt. Bam, c'est parfait. Parfait le timing. Choix a pris grande impatience. Ok. Comme choix, je le joue. C'est intéressant de savoir. J'aurais dû m'entraîner davantage. Ok, donc il reste un combat. J'adore les shorts. L'uniforme scolaire est super confortable et facile à porter. Ensuite, faudrait aller voir dans la forêt. C'est eux qui ont la balle, on recule. Alors là, je fais n'importe quoi. Ok. C'est rapide, hein, avec les balles gluantes. Il y a des petits niveaux qui sont pris. C'est parfait. Tu ne m'as toujours pas dit quel habit tu préfères. Ouais. Alors, il y a toujours le tournoi, mais là, pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est juste les stats supplémentaires. J'ai combien? J'ai 80. Oh là 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 là, les gars. Oh là là. Et il manque 6 pour encore une. Alors attendez, on va tous les mettre. Hein. J'espère qu'il n'y a pas de limite. On va aller faire 2 combats du tournoi, comme ça je gagne les 6 dollars et je peux racheter une dernière potion. Un dernier jus. C'est parti. Et je vais leur faire très très mal. Hein. Fantastique. Donc là, il faut que je passe l'autre combat. Bon, c'est pas trop compliqué normalement. Ok. Trah, les balles qui suivent, c'est vraiment infernal. Hein. Ah, je te respecte pas. Hein. Hop. $4. Et non, bon, j'ai juste besoin. Ouais. J'ai juste besoin des jus. Voilà. Ah, il est fumé, hein. Là, auto est très 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 fort. Là, je vais rouler sur le jeu, les gars. Avec auto, je vais rouler dessus. Hein. Allez, on va se soigner vite fait. On va au match. Le cours. On va faire l'histoire, quoi. Sinon, je vais jamais la faire. Si je reste au tournoi clandestin, je vais jamais... C'est parti.
Je te le demande pour la dernière fois, tu as vu ma sœur ou pas? Non, oh, monsieur Boris! Oh non, qu'est-ce que fait Boris? Pourquoi tant de violence? Boris, ça suffit! Hors de question de te laisser nous traiter, nous les élèves les moins musclés de cette façon! J'en prends note. Vers l'infini et l'au-delà! Ça va laisser une marque, peut-être plusieurs. Et maintenant, à votre tour! Oh là, doucement mon grand, on peut au moins savoir ce qui se passe avant de se faire anéantir! D'accord, parce que tu lui as demandé poliment. Ma sœur a disparu. Quoi? Mais alors qu'est-ce que tu fais là à tabasser les gens au lieu de prévenir le personnel de l'école? J'ai pensé qu'en tabassant chaque élève, je finirais par apprendre quelque chose. Tu devrais plutôt aller voir la surveillante. Je n'aurais pas recours à eux. Je retrouverai Vampy tout seul. On lui donne un coup de main, Otto? On devrait, mais il faut aussi qu'on s'entraîne pour le match. Tu seras capable de t'entraîner en sachant que Vampy a disparu, Aniki? Non, tu as raison, Kiavo. Boris, on va t'aider à la retrouver. Qui a dit que je voulais votre aide? Ça se voit dans ton attitude. Arrête d'être aussi têtu. Alors, quand a-t-elle disparu? Elle n'était pas à la maison ce matin. À la maison? On devrait peut-être aller chercher les indices près de chez toi, dans ce cas. Hors de question. Écoute, laisse-nous t'aider. Eh, et la tour radio? On pourrait diffuser la disparition de Vampy sur les ondes dans toute l'école. Mais, je ne vous ai pas demandé votre aide. Tu peux continuer à jouer les durs, on t'aidera quand même, Boris. Bien, je retourne attendre à la maison, au cas où ma sœur rentrerait. Du coup, il compte grave sur nous, en fait. Il a dit je rentre à la maison, il a pas dit je vais chercher dans mon coin. C'est la première fois que je le vois comme ça. Dépêchons-nous d'aller à la tour radio. Comment on y va déjà? On doit prendre le téléphérique jusqu'au mont Doji. Le mont Doji. Très bien, en route. C'est le mont Fuji, mais Dodgeball, le mont Doji. Oula, ça va un peu vite. Hop, hop, hop. C'est ici. Comment ça va, les jeunes? On fait un tour? Ouais, on doit aller à la tour radio. Très bien. Quelqu'un avait cassé cette machine en envoyant un ballon un peu fort. Mais je viens juste de réussir à la réparer. Elle vous emmènera au sommet du mont Doji. De là, vous pourrez vous rendre à la tour radio. Génial. Super. Ah, il y a un... Attendez, il y a un ballon juste à côté, je vais le prendre. Pomme. D'accord. On peut pas passer derrière, évidemment. C'est parti. Nouvelle zone du jeu que je n'ai encore jamais vue. Waouh. Il y a du combat, les gars. Il y a de la baston. Et il y a plein de coffres aussi. Oh, mais qu'est-ce qui fait froid ici? Où est la tour radio? Je ne sais pas, je n'y suis jamais allé, non plus. Oh, des touristes. Vous avez l'air un peu perdu, mais vous avez de la chance. Je suis un peu le guide officiel du mont Doji. La tour radio, elle se trouve tout là-haut. Ah oui, d'accord, on la voit au fond, en blanc. Attention, le sentier est traître. Vous maîtrisez les sauts et les roulades. Suivez le chemin et essayez de ne pas tomber. Ah. Les albums de Dodgeman que j'ai empruntés, je ne sais plus ce que j'en ai fait. Ah bah t'inquiète, tu vas t'en rappeler. On va te tabasser jusqu'à ce que tu nous dises. C'est parti. Eh bah non. Tu prends la balle, tu prends des coups. Il avait encore une balle. Hop là. Parfait. Ah si, ça y est, je m'en souviens. Dis-lui que je vais lui rendre rapidement. Mais évidemment. Boisson à l'açaï. C'est quoi? Ok. Stylé le graphe. On peut rentrer là? Non, on peut pas rentrer. Par contre, il y a un milliard de combats, les gars. Tu as froid, les attaques vont te réchauffer. Ok. Encore eux qui ont la balle. Oh genre.
de moins. Boum. La maîtrise, les gars, la maîtrise. Elle m'a tiré deux balles à bout portant. J'ai déjà plus chaud. Lui, c'est un combat. Non. L'entraînement en montagne me rend plus fort. Ok. Mais pourquoi c'est toujours eux qui ont la balle là? C'est de la triche. Mince. C'est les pires balles. C'est les pires balles. C'est les pires balles. Oh non. Oh là là. Oh, elle s'est arrêtée. Oh, mais genre. Oh. Oh. Tu t'arrêtes un peu là? C'est la première fois qu'un bot comme ça, il me renvoie en contre autant de fois d'affilée, quoi. Il est peut-être temps de redescendre. Ah, d'accord. Je crois que je vois ce que j'ai à faire. Ils ont vraiment rajouté un côté jus de mur. J'ai bien fait. Parfait. En plus, il aime. Ça fait plus 10 PV. Trop bien. Je me demande si je vais pas. Ouais, non, ça, je sais pas si ça vaut le coup de. Il n'y a pas de heal. Et je peux peut-être utiliser des items. Mais... Bon, déjà, on va faire les combats qu'on peut faire. Ok. Bah, je les ai déjà fait alors. Donc là, il faut prendre de la vitesse. Hein. Je le dis. Voilà. Là, pareil. Ah, votre équipe a une mascotte. C'est parti. Ah, et ben enfin. J'ai un de moins. Mince, je l'ai pas vu arriver celle-là. Voilà, on va regagner, on va remonter à 200 PV normalement. Fort en thème. Succès. Ok. Pardon, je ne savais pas que c'était un membre de l'équipe. Évidemment. Comment ça y est? Ah. J'essaie d'atteindre la tour radio depuis des jours. Si je gagne, vous me montrerez le chemin. Mais on n'y est même pas allé nous-mêmes en fait. Frérot, tu cherches juste des excuses là. Ah non, les pires. Ça glisse, le terrain glisse, j'avais même pas remarqué. Tu ramasses la balle, tu te fais punir. Cette montagne me retourne le cerveau. Ok. Allez-vous-en! Vous ne voyez pas que j'admire la vue? Ah, désolé. My bad, my bad. Ça, c'est trop bien, ça. Hop là, t'as ramassé la balle pour rien faire avec. Oh, oh, le contre que je m'y attendais pas. Oh là 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 là. Dommage.
Hop, tu ramasses la balle, c'est l'erreur ça. Kiabo, je m'en fous un peu. Ouais, vous avez gagné. Maintenant, laissez-moi profiter du paysage. Bah, c'est toi qui m'as provoqué en même temps, hein. Attends, ce que j'aimerais. J'ai pas de balle en main. Ah, je peux peut-être passer en sprintant. C'est pas là qu'il faut que j'aille. Comment je peux faire? Parce que justement, il faudrait que je puisse descendre la caisse qui est là. Il y a un truc à faire par là? Non. Et je peux sauter à... D'accord. C'était donc ça. Tiens, il y a une caisse là. Oh non, mais je l'avais la balle, c'est une blague. Ça c'est mal fait, hein. Ah, je peux récupérer, d'accord. Quand même. Allez, un petit jus, un jus de force, ça serait parfait. Mais comment on fait pour ouvrir ce coffre? Ah, anneau violet. Qu'est-ce que ça fait ça? D'accord, bon, j'en ai pas besoin, hein, ça. Donc là, j'ai fait un raccourci. Oh là, d'accord. J'ai compris, c'est bon, j'ai compris. Hop là. Hey, Kiabio, donne-moi ce blouson, je meurs de froid. Comment il se fait racketter son blouson, Kiabo? Ok, super. Donc on va prendre les trois duos. Ouais, je me fais tabasser. Mince. Trop de balles en même temps. Viens là toi. Boum. Ça devient un peu chaud, hein, quand il y a beaucoup d'adversaires comme ça. C'est trop injuste. Bah non, c'est pas injuste. Je vais prendre la balle ici. Oh, j'ai sauté. Comme un dingue. Comme un dingue, 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 dingue. Tu as froid? Les attaques vont te réchauffer. Alors, ok, super. Oh! Ce contre. Non! Ça va être chaud, hein. Mais j'ai même pas le temps! Oh! Oh là là, sans auto, c'est horrible, hein. Non mais... Allez Mina, on compte sur toi. Ok. Oh là, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je récupère les deux balles. Terminé, super. Je vais réseauto et je vais utiliser des objets de soins pour la première fois dans le jeu.
Parce que là, j'avancerai pas plus loin sinon. J'ai déjà plus chaud. Donc, objet. Réanime et 50% des PV max. Voilà, on est bien. 25%. C'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Réanime un coéquipier. On réanime. Voilà. À manger pour gagner 50% des PV. Voilà. 50%. Hop. Bon, là, je suis bien. Il n'y a pas une caisse là, pas loin? Là, faut pas que je me loupe. Ok. Tu me cherches, tu me trouves. Ah, c'est eux qui les ont. Mince, la dernière. L'erreur du joueur français. Genre j'ai loupé. Boom. Ok, c'est tout de suite plus simple avec Otto, hein. Voilà, il a quasiment toute sa vie. Belle perf. Super. Et je fais quoi moi ici là? Mince. Non. Ça va en vrai. Peut-être faut monter ici pour sauter là. Ensuite là, ok. Il n'y a pas une caisse. Ah ouais, ça sentait le saut. Donc c'est d'ici, hein. On va pas rouler. Ok, nice, la caisse. Si je pousse cette caisse par-dessus le bord, j'aurai un chouette raccourci. Hop là. Baston! Où est-ce qu'on peut trouver des dodgeballs par ici? Je dois ouvrir ce coffre là-bas. C'est moi qui l'ouvrirai à ta place, t'inquiète. Fais-moi confiance. Oh non! Mince! Mais genre. T'as combien de balles, frérot? Ok. J'ai mal calculé. Il avait deux balles dans la main. Dans ma tête, pour moi, il en avait qu'une. Du coup, j'ai pris une balle. Une balle en sous-marin. En soum-soum. Ok, ça, c'est le raccourci. Donc là, faut que je me mette ici. Je vais plutôt me mettre là. Ok. On récupère la balle. Saute, saute, saute. Récupère la balle. Je suis arrivé là. Je suis en haut. Super. Allez hop. On fait la baston. Kyabo. Il se fait racketter par tout le monde, Kyabo, en fait. Pas doué là. Ah, je l'ai peut-être pas touché. Si. Ça va, ça va. Ça se passe bien. Quand on va redescendre du mont Doji, je vais pouvoir aller récupérer encore des stats de force. C'est trop injuste. Donc là, on va faire le dernier. Pourquoi ai-je l'impression d'être une simple copie de tous les autres élèves? Parce que t'es dans un jeu vidéo peut-être?
Mince, spoiler, spoiler. Ah, presque. C'était presque un sans faute, les gars. Mince, loupé. Ça, c'est balle en lobe. Je vois pas l'intérêt. Si t'es assez mouvement... tu bouges beaucoup sur le terrain... Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ma manette, elle fonctionne plus ou quoi ? Ah, j'ai peut-être appuyé sur une touche du clavier, du coup... C'est ça. J'ai appuyé sur mon clavier. Désolé. Je me demande parfois si je suis pas un clone. Un petit peu. Tu as obtenu cheeseburger. C'est bien de trouver un cheeseburger en haut d'une montagne. Putain, il y en a un autre là. Hot dog. C'est parti. Qu'est-ce qu'ils font là, eux? Alors, quand vas-tu diffuser mes annonces? Je suis prête à payer le double. Je te l'ai déjà dit, je suis pas la responsable. Et vous, là, les marins d'eau douce, qu'est-ce que vous voulez? Vampire disparu, on veut passer une annonce à la radio. Non, d'une vieille sardine en boîte. C'est du sérieux, diffusons le message immédiatement. Un instant, toute la programmation radio a été préparée minutieusement. On ne peut pas juste interrompre la diffusion comme ça. Et si on jouait ça dans un match, est-ce qu'on pourrait diffuser ce message à la radio? Ça me semble équitable, mais je ne joue pas, laissez-moi appeler d'autres élèves. Je suis prêt, Georges. Oh là là. Je ne voudrais pas rater ça, mais attention à notre équipement, faisons ça dehors. Je vais vous aider. Et si on gagne, diffusez mes pubs du même coup. C'est un boss. What? Non mais attends, t'as vu la vitesse des balles? Ça, j'avais oublié. Bah lance ta balle hein. Oh là là, ils vont prendre trop cher là. Ouah, mais c'est des balles trop rapides hein. Non. C'est une blague. C'est une blague. En plus j'ai cliqué hein, sur le bouton. Avant même qu'elle puisse faire son contre hein. Aïe, aïe. Je me suis mal placé. Élimination. Il lui reste 34 PV. Mais attention, choix, il va tomber. Je l'ai pas touché? Ok, super. On a gagné! Elle tire très 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 vite. Hein. La vitesse des balles, c'est insane. Souplesse féline, ton tir chargé plus rapidement. Ok, ça c'est bien ça. Et 16$ les gars, hein, ça fait quasiment un jus. Mes pubs ne sont pas prêts d'être diffusées. Hein. En effet. D'un autre côté, la supériorité physique et tactique n'a rien à voir avec la programmation de la station. Cette victoire ne change rien. Eh, hey, ne modifiez pas les règles maintenant, on a gagné. Donne le droit de diffuser notre message. Ouais, Boris essaie de dissimuler, mais il est très inquiet pour sa sœur. La compréhension entre tous les êtres vivants est la véritable clé du succès. Essaie de te deviner, je te connerai si fort que ton menton chéri ressemblera à une betterave. Je dois admettre que tu as un vrai talent de persuasion. Entendu, tu peux passer leur message, Calamari. Génial, on s'est fait botter les fesses pour des clous. Salut les petits loups. Nous interrompons notre programme habituel pour diffuser un message important. Vampy a disparu. Si quelqu'un l'aperçoit dans l'école, merci de contacter Otto. Si vous l'apercevez, mes petits cachalots. C'était super, merci. La vache, ça a pas traîné. Je fais où je trouve Vampy. Elle fait fan participer à la réunion de la fauvetité secrète du ballon carré. C'est tout ce que je peux dire.
Alors, est-ce qu'il savait où elle est? Elle est apparemment censée participer à une réunion secrète du ballon carré ou quelque chose comme ça. Ah, je vois pas du tout ce que ça veut dire. Eh, tranquille, mec, je connais très bien les carréistes. Je leur ai rendu certains services. Leur truc, ce sont les rituels chelous, les pseudosciences, ce genre de choses. Ils cherchent à prouver une fois pour toutes que toutes les balles sont en réalité carrées. Des carréistes? Dans cette école? Quel culot! Ça m'a l'air d'être une belle bande d'imbéciles. La troisième dimension, ça leur dit rien? Bien, donc Kiabo, où a lieu cette réunion? Je crois qu'ils se réunissent à présent au sous-sol de la bibliothèque. Bon sang, quelle journée! Ok, il est temps d'aller voir la bibliothécaire. Dévalons cette montagne en roulade. J'ai bien fait de mettre mon blouson. Super. Bah, j'espère qu'il n'y a pas d'autres combats parce que là, sinon, ça risque d'être compliqué. Hein. Oula. Jus de cajou. Ah, c'est trop bien. Adore, augmente la technique. Bah voilà. On a un petit peu des points de technique. Jus de mandarine. Oh là 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 là. Donne 500 d'expérience. C'est pas grand chose. Hein. C'est déjà ça de prix. Hop. Il y a un combat. Il y a des combats. Wouhou. Par contre, faut que j'aille me soigner avant. J'ai combien de thunes là? J'ai 41. Bienvenue à l'infirmerie. Blablabla. Blablabla. Ok. Super. Hey, sujet de test numéro 7. Je dois réunir des données sur ton équipe et toi. Prépare-toi à servir la science. D'accord. Ah. Oh non, non. Ah, je suis allé dessus. Je l'ai bourriné. C'est quoi son outil lui? Oh non. Oh non, c'est vrai. Non, 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 non. Aïe, 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 aïe. Ouah, vas-y, mais c'est juste pas possible quoi. Bon là, j'ai perdu le gars. Mais... Ok. Mais genre... Ok, waouh. Ça va, ça s'est pas trop mal passé. J'ai tout donné, hein, parce que là, vous voyez, comme on sait qu'un combat était difficile, l'argent qu'on te donne. Hein. Suneco, ok. Suneco, ok, encore. Regardez, les points d'expérience et l'argent qu'on m'a donné pour ce combat, c'était un boss, hein. Clairement. Ça devrait suffire comme données pour l'instant. Heureusement que je me suis soigné, hein.
parti. Hop. Il y a des combats de partout là ? Non, du tout. Ok. Ouais. Hop. El biblioteco. Dis-moi que tu viens de prendre un livre cette fois. Pfah, vous rêvez là, madame. Vous savez où se trouve la réunion ? Vous savez, ces types-là, les adeptes du carré, vous me suivez ? Minute, papillon. Ce n'est pas une société secrète ordinaire, ok ? Et c'est du lourd, bonhomme. Pas le genre pousse la baby ball du toit, on se comprend ? Pah, je parie qu'ils n'ont même pas de générique à eux. Si vous voulez vous convertir, rejoignez la salle en bas de l'escalier. Je crois qu'une autre réunion va commencer. Pourquoi laissez-vous les carréistes organiser leur réunion ici ? C'est pas très scientifique tout ça. Ils m'offrent des gâteaux. Est-ce que vous m'offrez des gâteaux ? Non, hein ? Chut ! Ah, ces arguments sont imparables ! Bon, descendons, et sans faire de bruit. Attention, il est... Oula, il faut ouvrir des gâteaux pour avoir des arguments. Oh, il y a du monde. Vite, cachons-nous derrière cette pile de livres. Carréiste, réjouissez-vous. Je déclare la 12e séance de notre société secrète du ballon carré officiellement ouverte. Chantons. Ah bah le rayon, ah bah le rayon. Aujourd'hui, nous parlerons une fois encore des secrets qu'on nous cache dans cette lamentable institution du ballon rond. Ah bah le rayon, ah bah le rayon. Accueillons les invités du jour, Vampy et Nino, qui ont finalement décidé de se convertir. Niaak. Ce n'est pas tout. Aujourd'hui, nous accueillons l'idole cubique en personne, Kubo. Puisse notre tête devenir comme la sienne. Merci à tous. Enfin, un endroit où on me traite comme je la mérite. Pourvu que Noémie n'entende pas parler. C'est la surveillante. Hein. Mina, choix à peur. Oh, t'inquiète pas. Je suis là pour te protéger. Nyaan ! Qui vient de me vriller les tympans ? Chef, il y a des intrus parmi nous. Salut. Je viens de me cogner la tête sur cet angle et j'ai vu de la lumière, mes amis. Oh. L'angle ne frappe que ceux qui s'y opposent. Ce sont des rondistes. L'idole cubique dit la vérité. Mes frères, mes sœurs, aidez-le à anéantir cet intrus. Quoi ? Eh bien, bien sûr, je vais concentrer mes pouvoirs divins. Quel pouvoir divin ? Oh, des balles carrées. What? Oh. Vous commencez à me gonfler là avec vos attaques qui sortent de nulle part là. Ok, une élimination. J'arrive pas à les avoir. C'est un truc de dingue. Allez, il y en a trois qui tombent. Non, il y a pris qu'un. Il y en a qu'un seul qui a pris le coup. Ok, bon, il en reste pas beaucoup de vie. Ah, ils ont tout donné à l'idole. Faut esquiver les coups en fait. Allez, l'autre il reste 50 PV. Genre. Allez, essaie d'esquiver mon ultimate. Bam!
Et j'avais 3 balles, hein. Donc là, on était vraiment bien. 31, les gars, 31. Ah là là, Otto, il va mettre des sacrées patates, hein, je vous le dis. Ils ont vaincu l'idole cubique, c'est un mauvais présage. Wouah, vous êtes vraiment trop marrant. Va-t'en, Otto, tu m'empêches encore de libérer mes pouvoirs. Tu ne devrais pas te tourner vers des méthodes si irrationnelles, tu pourrais avoir des problèmes. Lâche-moi, Baudruche, je ne t'ai pas sonné. Et d'abord, qui a invité ces types à la réunion? C'était censé être un secret. Oups. Écoute, on est venu chercher Vampy, vos délires de ballon carré, machin truc, on s'en fiche complètement. Je veux des résultats et je les veux maintenant. C'est pour ça que tu t'adresses à ces abrutis. Hey, mes disciples sont intelligents. La défaite de l'idole Kudik a signé notre perte à tous. Il va se produire quelque chose d'affreux. Wow, je vous ai trouvé. Qui est prêt à sourire? Sa tête, c'est la bête de la tête ronde. Le messager de la rondo... Regarde, tu les as tous rendus nerveux. Comment tu veux qu'ils m'aident à débloquer mes pouvoirs maintenant? Eh, comme si c'était ma faute. Si vous qui jouez avec des pouvoirs interdits et compagnie. Passage en mode attaque. Oula, 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 oula. Quoi? Mais comment je fais là? Ok. Kamehameha! Il a pas l'air si fort que ça, si. Oh, je lui ai fait. Je l'ai empêché de sourire. Quel dommage. 2$. Choix a pris à vie tornade. Ton ultibone libère maintenant 2 tornades. Oh là 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 là, c'est insane. 2 tornades, les gars. La bête à tête ronde a perdu son visage. Son visage n'était qu'un masque. C'est juste un dodgebot. Je suis un peu perdu. Sa tête est ronde ou carrée? Laissez-moi vous éclairer. Il s'agit d'un dodgebot spécial conçu d'après un vieux fichier que j'ai trouvé sur le serveur de l'école. Ce modèle animatronique était apparemment censé être la mascotte de l'école. Tu l'as créé et tu le laisses semer la pagaille? Mon cerveau exceptionnel est occupé à traiter des centaines de calculs chaque minute. J'avais oublié, ok? Si, circuit, grillé, calibrage en cours, restauration des paramètres d'usine. Par le tout-puissant Tesseract, c'est un robot zombie, fuyez! Non, mes disciples, revenez, adorez-moi! Chester, Danny, ne restez pas plantés là, aidez-moi à récupérer mes fidèles disciples! Ce type commence à devenir pénible, même pour mon intellect privilégié. Ah, et moi qui pensais être le seul à qui ça exaspérait. Restauration des paramètres d'usine terminée. Le niveau de puissance actuel est de 2 barres. Je dois remplir ma mission. Je dois divertir les élèves. On sourit, on sourit, on sourit. Ok, on est passé de légèrement ennuyeux à très dangereux. Nino, nous devons rater ce robot. Tu peux nous aider? Désolé, Otto. J'ai la chance de voir ton équipe se faire battre, de prouver que ton équipe peut être vaincue. Préparez-vous. Oh non. Ah, le salaud, il a attaqué au pire moment. Ah, il m'a fait un contre. Prenez ça. Ah là là, l'élimination. Par contre, il a 700... Mince. Oh non, Otto, non, tombe pas maintenant, c'est pas le moment. J'ai pris trop de dégâts, je suis deg. Otto, à toi, je t'en donne 2. Oh, aïe, aïe, aïe. Ça va être chaud. Ouah, mais il va trop vite. Vas-y. Ultimate. Mais...
Aïe. Aïe 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 aïe, ça va être chaud les gars. Elle a 8 PV les gars. Comment ça, t'as une balle toi? Ah, j'ai pas de balle, j'ai pas de balle. Ok. Non. Il l'a. Ça l'a touché. À 8 PV près, les gars. 2000 points d'XP, montre dorée, baudruche, apprendre tsunami. Montre dorée, croquée au poulet, pain au fromage. Oh là là, je pensais pas y arriver comme ça. Hein. Ça, c'était une puissance de 2 barres. Augmentation de la puissance, nouvelle valeur, 4 barres. La restauration va commencer par votre tête. Comment on arrête ce truc? Attendez, il ne faut peut-être pas le battre. Mascotte, choix, réfléchis à ce qui t'est arrivé, ouais. Qui est choix? Choix, c'est choix. Quoi? Peu importe, continue avant que je vous anéantisse tous. Merci. On dirait que tu as passé beaucoup de temps tout seul, à errer sans amis, en faisant les poubelles pour manger, traité comme un déchet, persuadé qu'il faut faire plaisir aux gens pour qu'ils t'apprécient. Une seule chose peut te libérer de cette obscurité, de ces sentiments. Et cette chose, c'est l'amour. L'amour peut sauver le monde. Comme l'amour qu'Otto a témoigné à Choix, en laissant Choix faire partie de l'équipe, et pas juste comme mascotte. Sniff. Choix. C'est la chose la plus gnangnan que j'ai entendue depuis l'invention du mot gnangnan. Non, sérieux quoi, c'était vraiment un discours mièvrisible. Moteur d'humiliation en mode turbo. On oublie le bonheur, je me déconnecte. Je n'arrive pas à le croire. Vous essayez tous de détruire la bibliothèque ou quoi? Oh, la mascotte que j'ai conçue, que fait-elle ici? Mes enfants, vous allez devoir vous expliquer. Pampi, tu ne devrais pas être chez toi? Boris déteste que tu t'absentes comme ça. Peut-être. J'étais venu voir les carréistes. Ils embêtent sans cesse mon grand frère sur l'origine secrète de sa force. J'ai pensé qu'en venant leur demander de l'aide, je retrouverais mon grand frère adoré, tel qu'il était avant de devenir comme ça. Ah oui, je m'en souviens. Il était surveillant, lui aussi. Mais tu es quand même dans le pétrin. Dans le bureau du principal, vous tous. Et que ça saute. Gloops, oui, madame. Même le directeur, il a peur d'elle. Allez, c'était un ordre. Ok. Et bah, il y avait des combats difficiles, hein. Même en ayant fumé les stats de Otto, c'est quand même assez hardcore, hein. Oh, je suis pas... Ouais. Super, normalement, c'est bon. Alors, avec l'argent qu'on a gagné... Ouais, je vais aller chercher les stats vite fait avant d'aller voir chez le directeur. De toute façon, on est déjà à plus d'une heure. Normalement, on devrait avoir fini la journée dans pas longtemps. Salut Otto, tu cherches des produits? Ouais. Jus de fraise, augmente la force. x5. Bram. Allez hop, on a complètement fumé. C'est parti. 5 x 3, 15. 15 points de force, les gars. Ah, il y a des combats. Les carrés sont partout. Vous ne pouvez pas nous échapper. À bas le rayon. Oh, je leur mets 80 points de dégâts, les gars.
C'est de pire en pire. La société du ballon carré me vengera. Un deuxième combat ici. Eh les rondis, je vais vous mettre la misère sur le cours. Ah. Ah, j'avais plus de balles. Ah, je bouge même pas là. J'ai même pas envie. J'aurais pu esquiver les balles, mais. Non, mais je blaguais, inutile de me battre comme ça. Y'a plus l'air d'avoir de combat. Ah, si. Comment ça? Les caréistes offrent des gâteaux à tous ceux qui se convertissent. À bas le rayon! Ça y est, les nouveaux ennemis, c'est les caréistes. Mais arrêtez là! Quoi, il y en a encore deux? Mais ça a abusé! J'en voyais qu'un moi. Bon. Ça c'est fait. L'autre il devait être allongé par terre, j'ai cru qu'il était foutu. Je veux juste un gâteau carré moi. Ils sont où les bastons? Baston. Toi, moi, baston, maintenant. On se comprend. On se comprend. 1, 2, 3, hop là, esquiver. Toi tu te l'es pris, toi tu te l'es pris. Hop, un par un. Ah les salauds quoi. D'où elle avait une balle elle? C'est parfait. J'ai perdu. Ouais. Là on a le principal. Je sais pas s'il y aura un autre combat. Non. Non, après c'est pour aller sur le toit. C'est parti. On va se faire sermonner. Prends ça. Je commence à te voir un peu trop souvent ici, Otto. Je gagne quelque chose à la 100e visite? Ouais, mais ça risque de ne pas te plaire. Je vous dois une explication à tous. Voyez-vous, ce robot est un vestige de ma première idée pour cette école. Dodgeland, le parc d'attractions consacré au Dodgeball, un projet mêlant éducation et divertissement. Ça n'a pas marché. Tout le monde a adoré la partie divertissement, mais le côté éducatif n'a intéressé personne. La Fédération Internationale de Dodgeball n'a pas aimé du tout. C'est pour cette raison que chaque année, nous devons démontrer que l'école forme des jeunes joueurs talentueux comme vous. Sans quoi, nous ne serons plus autorisés à avoir la dodgeball du héros, et nous perdrons l'unique source d'énergie de toute l'école. Ce coup dur a transformé le jeune principal impressionnable que j'étais en un principal endurci. Ce robot était donc censé être la mascotte de votre parc d'attractions? Je l'ai créé moi-même pour donner au parc un visage charismatique et pour manipuler la dodgeball du héros en toute sécurité. J'étais trop occupé par le tournoi pour m'apercevoir qu'une des mascottes se baladait seule dans l'école. Vous nous avez tous rendu service. En assurant la sécurité de l'école, je ne vous punirai donc pas cette fois-ci. Vous pouvez partir. Et toi, vampire, rentre directement chez toi. D'accord. Viens nous voir, Otto. Je te laisserai le portail ouvert. Mon grand frère sera très content de te voir. Créé pour manipuler la dodgeball du héros, c'est intéressant. Ok. Et là, je dois faire quoi? C'est quoi mon objectif? C'est retourner au dortoir? Je sais même pas ce que j'ai à faire.
Attendez, je vais parler au principal, on va voir ce qu'il va me dire. Ça se trouve, il fallait que je lui parle. C'est bizarre qu'il m'ait pas... Ah, Dodgeland, quel dommage que ça n'ait pas marché. D'accord. Bah, je pense qu'il faut aller voir à la maison de... aller voir Boris. Ah, bien, on devrait aller voir Boris et Vampy. Elle a dit qu'elle laisserait le portail ouvert, mais où habite-t-il? En tout cas, il ne dort pas dans notre dortoir. Je sens l'odeur de Vampy. Elle est allée vers la forêt. Quel odorat. Très bien, direction la forêt. D'accord, je vois où c'est. Attendez, je suis... Ouais, je suis full life. C'est bon. Il y a juste le choix qui a un peu de vie en moins, mais ça va. Je peux passer normalement ici, hein. Ouais. Ah, il y a de la baston ici. Hein? Ce type veut récupérer sa BD? Tiens. Bon. Super. Bon. Tu crois qu'on est dans une simulation? Je finis ce combat et on fait la pause sur la VOD, les gars. Parce que ça va être trop long sinon avec les combats et tout. Oh, elle avait une balle, elle. Ça fait combien de temps qu'elle a sa balle là? J'hésite. Parce que je sais pas combien de temps il me faudra. Parce que là on est vraiment sur la fin de la journée. Oh, vas-y, je finis la journée et tant pis. Je sais pas, l'impact de tes attaques sur mon vidal m'a paru assez réel. Ok. Donc on va aller chercher les combats. Hein. On va chercher les combats, c'est bon à faire. Attendez. Je peux passer là. On va aller chercher le coffre. Le coffre. Croquet poulet, ok. Ah, la baston est là-haut. Prépare-toi à une défaite humiliante. Il y a de l'herbe ou pas? Non, c'est bon. Hop là. J'ai parlé trop tôt. J'ai parlé trop haut tôt. Ah mince. C'est où, c'est là? Je suis jamais allé ici en plus. Tu n'as aucune chance contre moi. Je
Ah. Au moment où je clique, quoi. Oh, joli. Joli contre. Caméa. J'avais tort. Eh oui. Son odeur nous conduit. Sniff, dans la forêt profonde. Merci, Choua. Allons-y. Oh non. On veut t'affronter. Juste comme ça. Alors prépare-toi. Qu'est-ce qu'ils sortent de derrière les fagots, eux? Prenez ça! Ils ont pris cher. Hein. Par contre, je risque de prendre cher aussi. Hein. Okay. Rappelons-nous comment ça fonctionne. Rappelons-nous comment ça fonctionne. Ah non, la balle de trop. Ok. Oh non. Super, ça s'est bien passé. Ok. Kiabo, non. $20, hein, quand même. Rouille, ils sont forts, vraiment forts, ce raid. Oui, on va devoir s'entraîner davantage. Comment j'ai tryhard, les gars? Eh, hey, le portail est ouvert. C'est de ça que Vampy parlait. Ça doit conduire chez eux. Allons-y. Otto, ma petite sœur vient de rentrer. Je peux enfin me détendre. Oh, voilà notre maison, à propos. C'est incroyable. Tu as cassé tous ces arbres en pratiquant le méga smash. Oui. Au fait, où était Vampy? À la bibliothèque avec les caréistes. Vraiment? Je vais devoir leur rendre une petite visite plus tard. Elle cherchait un moyen de te faire redevenir comme avant quand tu étais plus gentil. Vampy t'en parlera mieux d'elle-même, mais tu devrais vraiment te détendre, mec. Je peux pas, je dois la protéger. Vampy est sous ma responsabilité. Je dois être plus fort que n'importe qui d'autre. Et vos parents, où sont-ils? Ce sont les dodgeballers professionnels. Toujours en train de voyager, tout ça, non? Non. En fait, ils sont partis et puis ils sont jamais revenus. Le principal a remué ciel et terre pour nous trouver cet endroit. En échange, je l'aide en rendant quelques services dans l'école. Oh. Bref, ça me fait mal de l'admettre, mais j'ai une dette envers toi, Otto. Le mec le plus balèze de l'école t'accorde une faveur. Ah. Oh, super, voyons. Ah ouais. Vas-y, je vais choisir le deuxième. Mais je suis pas sûr. Je suis pas du tout sûr que ce soit une bonne idée. Hein. Ça va être hardcore. Hein. Je peux pas gagner. S'il se met à 100%, je peux pas gagner. Va falloir que je tryhard pour avoir des jus, de la vie, du machin, du truc.
Non, je veux juste finir le jeu, là, ça va être trop compliqué sinon. Faut être copain, faut être costaud, et c'est pas ton cas, pas encore. Oh, ça fait mal. Mais je dois pouvoir faire autre chose pour toi. Ah oui, je me donnerai à 100% dans le match, c'est sûr. Otto, n'oublie pas que Choua n'a pas de 9 vies, compris? Le générique de Cabo servira d'oraison funèbre. Ah oui, j'ai bien envie de te flanquer une raclée, Boris. Avec fair play, bien sûr. Nous nous affronterons demain et j'utiliserai 100% de mes 100%. Ça n'a aucun sens. Le sens limite mes compétences, alors j'essaie d'éviter. Hé, hey, qu'est-ce que tu fais ici? Je les ai suivis. Tu es le type le plus fort de l'école. Tu peux me flanquer une raclée si tu le veux. Tu ne serais pas le premier. Si je prends le risque de venir, c'est parce que j'ai besoin de mes pouvoirs. Ceux qui m'ont été refusés par la dodgeball du héros. Ces tarés de carré avaient raison sur un point. Si quelqu'un s'y connaît en pouvoir, c'est toi. En pouvoir, hein. Normalement, je t'aurais montré ce que c'est le pouvoir en t'anéantissant sur place. Mais Otto, ici présent, m'a rappelé que tout le monde a parfois besoin d'aide. Chose que j'avais oubliée, ainsi que pas mal d'autres trucs. D'habitude, je n'ai pas besoin d'autres élèves dans mon équipe. Aucun match n'est trop difficile pour ma sœur et moi. Mais je crois que je vais faire une exception. Tu peux jouer dans mon équipe demain. Oh. Que quoi? Wouah. Tu apprendras ce que tu cherches. Je t'aiderai à trouver la bonne voie. Merci Boris. J'ai participé à la finale du tournoi. L'ultime chance de réveiller enfin mes pouvoirs. Ça s'annonce mal les gars. Bon, c'est pas que je m'ennuie mais... Allez vous reposer, on a un gros match demain. Ouais, t'as raison. Ah, je suis claqué. Bonne chance Boris. C'est parti. C'est parti. Voilà, on y est. Profitez bien de cette dernière nuit avant le match final. Tous mes os intacts et incomplets, vous allez me manquer. Et courage, on n'a pas dit notre dernier mot. Attendez d'entendre mon discours de motivation demain matin. Ouais, j'ai hâte. Bon rêve de victoire, tout le monde. Victoire? Je ne rêve que de Gyoza, ce qui me revient au même. Choix ne vous laissera pas tomber. Bon, essayons de nous reposer nous aussi. Oui. Ah, c'est vrai que j'ai combattu les gars, mais je suis pas retourné voir le gars avec les BD là. Non, j'ai tout fait normalement. Attendez, il est dans le bâtiment, donc ça devrait aller normalement. Je sais pas, j'en ai défoncé 3, donc j'espère que c'était bien ça. Oh, incroyable, merci beaucoup. J'ai récupéré tous les albums. Comment t'as fait pour les convaincre aussi facilement? Tiens, voilà pour toi. Bracelet d'amitié. Milkshake vanille. Encore 1000 fois, merci. Ma collègue Dodgeman est à nouveau complète. Alors attends, objet, milkshake, donne juste assez d'XP pour passer au niveau supérieur. Hop là. Voilà. Et attends, j'ai combien de thunes? 45. On va pouvoir donner 6 points de force supplémentaire avant le combat final au moins. C'est parti. Normalement ça devrait être bon, il n'y a pas de quête annexe. Voilà, super. Était-ce vraiment de la générosité ou était-ce juste de la condescendance? Il me faut un plan B. Hey, vous avez vu les plans du modèle de Dodgebot 2.0? Non, tu devrais faire plus attention à tes affaires. J'ai tout organisé par nom, couleur, qualité de papier, ça doit être par ici. Dis-moi, où étais-tu cet après-midi? J'écrivais des fanfictions dans ma chambre, enfin... Oh, tu me passeras le deuxième chapitre de Mega Dodgebot
quand tu l'auras terminé, d'accord? Sans faute. Pouah. Je voudrais 10 chicken wings, s'il vous plaît. Je suis très énervé. Ah, et moi je voudrais de nouvelles dents. Tu as de l'argent, gamin? Fais propos, fais un marché. Ah, je te propose un marché, super. Enfin, vaut la peine. Fais faire télécommande. Cette super télécommande. Hein? Mais je l'avais juste là. C'est ça, dégage. Elle lui a volé ou quoi? Je devrais peut-être commencer à travailler sur la mascotte. Il faudrait que je me trouve un hobby. Une minute. Pourquoi lui manque-t-il une puce importante à celui-ci? D'accord. On voit un peu d'où le plan B il peut sortir, quoi. Il va récupérer la dodgeball du héros. Un truc dans le genre, ça va être un truc good. Je pense que ça va être ça. Bon, c'est la pause sur la VOD, évidemment, vous vous en doutiez. Hein. Je l'avais dit que j'irais jusqu'au bout de la journée et on va faire une autre VOD derrière qui sera la dernière VOD très certainement. Donc je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine, salut.